t'a tout coupé, débranché donc ma petite mémé. Le gaz, le téléphone, l'électricité. C'est donc à ça qu'aura servi le génie de l'humanité. Tous ces progrès technologiques au service d'une chiotte poignée de corrupteurs et de valets, de vendeurs de DVD. Vous pouvez donc partir au diable. Je ne vais plus vous écouter, puisque pour vous tout est brevetable, mais vous n'aurez pas ma liberté de tweeter. Si vous fliquez tous les réseaux, si vous dictez un nouvel ordre mondial fou de propriété intellectuelle, va sans dire, un terme que vous avez violé. L'intelligence est collective, ne souffre pas la vulgarité, de servir le puissant obsédé, de copyright et brutalité. Vous pouvez donc partir au diable. Je n'en veux plus vous écouter, puisque pour vous tout est brevetable. Mais vous n'aurez pas, non vous n'aurez pas, non vous n'aurez pas ma liberté de retweeter. Non mais moi ça me rend dingue. Je suis désolé, ça me rend dingue. Et les gars du DVD, ils veulent qu'on donne... Attends, je me tiens. Ils veulent des subventions, les mecs. Des subventions pour leur métier qu'il est mort, qu'il est pourri. Eh ben, il faudrait que moi, mon argent de moi, que je paye bien mes impôts, il faudrait que mon argent, hein, il aille dans son business pourri à lui privé. Il est pas bien, le gars. T'arrêtes ton business, tu fais autre chose, tu te débrouilles. Oui, on l'a déjà dit, je sais, mais je crois qu'il y a des choses que c'est bon qu'on les répète. Non mais oh. Il envoie encore Florent Pagny des DVD, je sais pas. Mais non, eh, Florent, sois cool. Attends, sois cool, hein, c'est du fair use. C'est du fair use, tu vois ce que je fais là. Tu me fais pas le procès. D'abord, je crois qu'on a encore un peu le droit en France, mais je suis pas trop sûr parce que ça commence à craindre. Mais surtout... Non mais attends, c'est du fair use, Florent. C'est un hommage, tu vois, c'est un tribute à ta musique. Alors, je fais pas de cop... Eh, attends, je fais pas de sous, je fais aucun copec avec ça. Où est le manque à gagner pour toi? Qu'est-ce que ça peut faire que je sois à chantouiller, à m'amuser avec 5 copains en terrasse ou avec 500 copains sur le YouTube? Qu'est-ce que ça peut faire? En quoi ça te gêne? Au contraire même, ça se trouve, je vais avoir un copain un peu bourré qui va dire « Dis donc, mais c'est pas mal en fait, cette musique de Florent Pagny. Et si je réécoutais un peu? » Et le gars, ça se trouve, un jour, il va acheter un CD à toi. Grâce à moi. Et je te demande même pas une commission. Alors, tu vois, eh ben c'est ça le faire, c'est cool. C'est cool, on collabore, quoi. On entretient la machine, on fait mouliner les bons trucs. Et puis quand ça fait du business, ben ça fait du business, tant mieux pour toi. Mais non, mais je t'aurais pris des sous, je comprends, mais je t'en prends pas. Je ne t'en prends pas, je m'amuse. Gentiment. On en cause quand tu veux. Hein. Tu m'appelles. C'est une ouf. Savoir aimer et partager sans retour. Tu vois, on partage. Oh, ça quick encore. Pas bon pour le clout.